Er wird sich bemühen, das hier in drei nach Hause zu bringen. Also Spadia hat sich eine Taktik zu... Brillant. Aber zu Beginn in so einem Spiel, ich glaube, nicht richtig sinnvoll. Wenngleich hat Breakball gegen sich. Das ist groß. Der Schweizer zum ersten Mal vorn. Feder wird, und das sehen wir hier schon zu Beginn. Nicht sauber getroffen, Ball ist aber gut. Und der noch besser. Die Idee von Spadia ist gut. Prima. Ah, Spadia gefällt mir. Das ist ja das Fatale aus der Sicht von Spadia. Macht er gut. Aggressiv. Ah, das ist dann aber auch un... Donnerwetter, das ist richtig gut. Tolles Aufschlagspiel von Spadia, der bleibt. Da war Federer 12. Hat sicherlich noch nichts. Spadia, der hat eine Nase dafür. Ist gut. Aber in so einem Nightmatch und dann in der Heimat vor den eigenen Leuten immer 7 Turniersiege im Gepäck. Und darunter nicht irgendwelche Kaffeefahrten, sondern zwei Grand Slam Smash gegen Andy Roddick. Gut. Lange warten und den Punkt machen. Breakchance Federer. Nochmal der Blick auf den Spiel.
Es ist zu clever. Spadia bleibt der Devise treu, viel über die Rückhand. Unfassbar. Viel zu spät getroffen, aber irgendwie dann. Der ist dann zu lang gespielt. Der Federer nimmt dem Amerikaner zum zweiten Mal das Service ab und holt sich den ersten Satz mit 6:3 nach 38 Minuten. Das sah lang. Je ne peux pas retourner ses services. Ouais, ouais, superbe. Contre Nadal à Dubaï. Évidemment, c'est le meilleur record de la saison. Federer est en contrôle absolu. Magnifique! À quelle première volée il est allé chercher. Moyen. Ace, non bien, s'il veut envisager peut-être remporter un set. Magnifique. Ouais, ça mérite des applaudissements. Au centre, sans prendre le moindre risque. Ouais, on a l'impression qu'il accélère quand il veut. En coupant la trajectoire. Ah, peut-être les... d'accentuer encore son avance au classement, notamment sur Nadal. Ah, une balle qui doit toucher la ligne. Encore et toujours. Hein. Peut et va faire la différence. Beaucoup de facilité. Ouais, c'est une faute en coup droit, mais pas deux hein, de la part. 14. Quatrième Mace. Ouais, il s'amuse. Il s'amuse sur le terrain du Suisse. Ouais.
Ah, il était clair qu'il allait tenter quelque chose. Cinquième ace. Eh bien, il suffisait de demander. Alors, ça va se jouer peut-être à pas grand-chose. Ouais, ouais, elle est bonne. Et il devait le savoir, hein, ça se sent lorsqu'on est de l'autre côté du filet. Il y a non seulement une efficacité dans ce coup droit, mais dans ce... Il oblige l'adversaire à monter au filet. Dans ses coups de défense. Sur la ligne, encore une fois. Pour l'instant, il en a concrétisé 3 sur 6. Ouais, beaucoup de touchés hein, du côté de Spadea. À Wimbledon cette année, dans son jardin. Et là, cette année, c'est plus facile. À New York, en 3 manches. Le seul dans l'histoire à réussir ce doublé 3 fois d'affilée. 7. Et voilà qui est fait. À ce rythme-là, on ne va pas dépasser l'heure très trop. Cette fois-ci, pas de problème. Dans sa raquette. Victoire sans problème. Et sur un 6-0 annoncé, hein, c'était pas bien difficile. Petite mise au point pour conclure cette rencontre. 1h28 de jeu. Roger Federer qualifié pour les 8e de finale. C'était attendu où il devrait affronter mardi certainement Marc Gicquel, le français, l'une des surprises de ce tableau masculin. De Gaston Gaudio, l'Argentin, pour de 12h30, les statistiques de cette rencontre. Meilleur pourcentage de première balle, plus d'ace, plus de coups gagnants,